le prophète Joël Crasso de la Confédération africaine de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels, guide spirituel de cette confédération. Ça fait pratiquement un an qu'ils sont dans le canton Vata, précisément dans le village qu'on appelle Zaroko, la sous-préfecture de Iré, la région de Lodjubois, le département de Divo. Le Seigneur nous a pu sûrement utiliser dans cette région, la région de Lodjubois, surtout dans la sous-préfecture de Iré, qui est une zone minière d'ailleurs, précisément dans la région de village de Zaroko. Oh, d'abord, c'est commencé par Elisabeth Dobé, qui était malade. Le Seigneur a permis que je rende visite. J'arrive dans le village que j'arrive là-bas. Et quand le canari mystique a été déterré, cette jeune dame, cette femme qui souffrait d'une maladie mystique, elle a été guérie. Oh. Elle a été guérie. C'est la suite de ça que le village de Zaroko m'a demandé d'intervenir, c'est-à-dire de prier pour le village. Est-ce que c'était une chose faite où les cardinaux, il y avait un cardinal mystique dans le dispensaire de Zaroko qui a été enlevé. Quand le dispensaire a été ôté, le Seigneur nous a montré le cardinal, nous avons ôté le cardinal. Et il y a eu deux semaines après, ils ont affecté un médecin, l'infirmier de Zaroko. Et à la suite de ça, il y a eu aussi un canari qui a été déterré, où il contenait la chair humaine. Donc nous avons détruit toutes sortes de poudrières sataniques dans ce village. Et à ma présence, puisqu'il y avait déjà tentative de deux fois de création d'un fourrage, tout ça, qui a été bloqué. Le premier, quand ils ont mis le fer s'est broyé comme si ça se trouvait dans un four. Donc deux tentatives, donc il y avait un problème d'eau. Et c'est par mon canal, le Seigneur est passé quand j'étais là-bas. Un mois après, c'est-à-dire dans le deuxième mois de mon séjour à Zaroko, une société minière est entrée, a créé le fourrage et même mis de l'eau et tout ça. Donc aujourd'hui, le résultat est fait, c'est que à Zaroko, depuis que je suis à Zaroko, il y a eu 30 élèves qui ont été renvoyés parce qu'il y a besoin des moyens financiers. C'est moi, Crasso, qui a scolarisé ses enfants, qui a payé de l'argent. Parce que pour moi, il faut un Zaroko foutu, à commencer par former par les quatre, soit qu'ils sont en collaboration avec les instituteurs des Zaroko. Nous prions pour eux, nous prions pour les enfants des Zaroko. J'ai organisé pour la première fois aux Zaroko, depuis que Zaroko, arbre de Noël, où j'ai fait un don aux enfants des Zaroko. J'ai fait 1000 jouets. 1000 cadeaux, 1000 jouets aux enfants des Zarokos, Zarokos et Pinoru, Papa Noël. Nous avons mangé ensemble et nous avons communiqué ensemble. J'ai mis dans la tête que la sorcellerie n'est pas une bonne chose parce que la Bible disait comme ça. La Bible dit plutôt dans le psaume 20, le verset 13, tu ne tueras personne. Aujourd'hui, le résultat est fait puisque c'est pratiquement une année que nous sommes là-bas. Le résultat est fait, il y avait un résultat, nous avons fait un bilan. Il n'y a plus de mentalité spirituelle. C'est ce qu'on appelle les crimes spirituels. C'est le mort naturel, c'est-à-dire que des vieilles personnes meurent aujourd'hui. Sinon, auparavant, c'était des personnes qui mouraient en cascade, en semaine, les gens pouvaient mourir. Tous les ventrilles, c'était les funérailles. Aujourd'hui, c'est des veillées de prière. Les gens commencent à se convertir. Les jeunes gens qui étaient drogués, aujourd'hui, ont décidé d'abandonner ce chemin et se donner à véritablement Jésus. Donc, ma présence à Zaroko, c'est ça. Les gens qui ont voulu que je sois à Zaroko, nous avons un grand centre de prière. Les gens viennent un peu partout. Tout marche à Zaroko, d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est devenu un grand coin touristique. Les gens viennent partout. Les gens ont envie de venir, tout ça. J'ai été, depuis hier lundi, convoqué à la gendarmerie de Iré. Iré par un monsieur, dont j'oublie un peu son nom, parce que c'est quelqu'un que je ne connais pas d'ailleurs. En se cherchant avec une autre personne, qui ont écrit des papiers comme ça, n'est pas fini, Simon, et devenant de la justice de Divo, pour m'auditionner. Le problème, c'est le trouble à l'ordre public. Je suis là et toutes sortes de choses. Sur moi, ils m'ont auditionné, ils m'ont entendu et tout ça. C'est pour dire comme ça, voici la manigance que les gens font un peu dans le secret, pour moi, m'ôter de cette région. Leur combat, c'est que Crasso quitte le Vata, quitte la région du Vata et tout ça. Et moi qui n'avais rien à voir, parce que cette histoire, quand vous regardez un peu cette histoire, c'est un jeune homme d'un village des Zaroko, c'est un problème de diablé, et c'est devenu une histoire, et moi qui n'avais rien à voir dedans, c'est moi qu'on adresse la plainte, parce qu'il y a des gens derrière, et ça, et qui veulent forcément que je quitte la région. Donc je lance un appel au président de la République, son excellence Alassane Ouattara, qui lutte aussi pour le droit de l'homme. Moi, je lutte pour le droit de l'homme. Pour moi, il faut que l'homme ait droit à la vie. Et le projet du président de la République, je pense que c'est projeter les gens à l'horizon 2020. Pour nous, l'horizon 2020, l'émergence, commence d'abord par le feu spirituel. Nous, en tant que confédération, nous respectons le droit de l'homme. Nous respectons les institutions républicaines. La preuve, c'est que nous avons des papiers qui nous donnent l'autorisation d'opérer sur le terrain. Mais dans ces temps-ci, je suis
l'objet de beaucoup de choses au niveau de la région de l'Ordre d'Ivoire. Donc je laisse l'appel à, n'est-ce pas, aux autorités compétentes de la Côte d'Ivoire pour dire voici les gens, nous avons travaillé dans la région et voici qu'aujourd'hui les gens ne veulent pas que d'autres personnes vivent, autant les gens ont droit à la vie. Donc j'appelle, je fais l'appel au gouvernement de la Côte d'Ivoire, à l'Assemblée nationale, au Premier ministre de la Côte d'Ivoire, au président, au chef de l'État, pour dire voici dans la région de l'Ordre d'Ivoire. Moi je travaille pour la nation, je l'ai déjà fait, j'ai déjà demandé à la nation de me donner des moyens. Je pense bien que moi, en tant que citoyen de cette nation, j'ai commencé moi-même à travailler déjà, à mettre un centre de prière pour délivrer. La sorcellerie existe. Si elle existe, comment faire pour l'éradiquer? Moi, j'ai commencé. Je ne brûle pas les sorciers, mais je les débarrasse de la sorcellerie. C'est moi qui, par mon canal, ne Seigneur pas pour motiver les gens de venir dans leur village, dans leur région. Mais aujourd'hui, je suis objet de beaucoup de choses. On m'a adressé un courrier depuis la justice de Divo pour dire trouble à l'ordre public. Je ne sais, j'en sais rien. Depuis que je suis là, il y a délivré plus de 867 sorciers qui ont été délivrés, qui se sont intégrés dans leur famille. D'autres sont à ma charge, que moi-même je les nourris avec mes petits moyens. D'autres sont là qui ont été guéris de la folie, qui ont été guéris et tout ça. Vous pouvez même mener des enquêtes au niveau de ce centre. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il y a une ONG qui viendra pour réhabiliter le dispensaire de Zaroko. Je n'ai pas besoin de l'État. Moi-même, par mes relations, j'ai décidé, je suis rentré en contact avec une ONG qui venait à réhabiliter parce qu'il y a des personnes qui meurent à cause de cette histoire d'enfantement. Donc voici un peu les actions du ministère. Réhabiliter le dispensaire de Zaroko, en même temps en équipant un médicament, celle de Douaville en médicament. Et en même temps, il y a un fonds qui sera à la disposition des femmes du canton de Vatan, au moins 200 femmes, qui vont prendre ce prêt-là, de l'argent, pour démarrer leur commerce. Parce que Jésus-Christ n'est pas fait pour guérir les gens, mais il a aussi nourri les gens. Donc voici un citoyen que je suis, je suis menacé dans une région qui est la Côte d'Ivoire, et la Côte d'Ivoire où il y a liberté de culte, je ne vois pas où je trouve à l'ordre public, je délivre des gens qui sont des troubleurs, ce sont eux qui font des troubles à l'ordre public, d'ailleurs les sorciers, et voici des personnes d'un village, des personnes, des individus qui sont soutenus par certaines personnes qui veulent que je quitte la région. Donc monsieur le président de la République, je suis le prophète Crasso qui travaille pour la Côte d'Ivoire, on le sait, bien que j'ai des invitations un peu partout dans le monde entier, j'ai décidé de soutenir ma nation pour libérer cette nation. Je pense bien que tu prendras hâte et gérer bien les causes. Shalom, pour vous qui me soutenez, que Dieu bénisse.